demain soir sur Auteur. Dans une prison d'Ankara, des enfants ne supportent plus la répression et l'esclavage. Sur Succès, il était une fois Sophia Loren et Omar Sharif dans un conte fantastique de Francesco Rosi. Enfin sur Classique, Claudia Cardinale et Jacques Perrin dans un mélodrame poignant et désespéré. Demain soir sur Ciné Cinéma Auteur, Le Mur. Sur Ciné Cinéma Succès, La Belle et le Cavalier. Et sur Ciné Cinéma Classique, La Fille à la Valise. Tout de suite sur Ciné Cinéma Classique, Au Royaume des Cieux, un drame de la pension. Mercredi, soirée M comme Mabuse, avec le grand chef-d'œuvre en deux parties, Mabuse le joueur et Le démon du crime, un film total de 1922 en version restaurée. Enfin, un documentaire, Fritz Lang, Le cercle du destin. Enchanté, madame. Fritz Lang, vérité. Bonjour, monsieur. Tu sais, c'est lui qui a fait le western avec Marlene Dietrich qu'on a vu vendredi soir. Ah oui, c'est formidable. Moi, j'aime mieux M. Le maudit ? Oui. Mercredi, à partir de 21h, rendez-vous avec le fondamental Mabuse de Fritz Lang. Soirée M comme Mabuse, avec 20h45, Mabuse le joueur, 23h20, Le démon du crime, 1h15, Fritz Lang, un documentaire, Le cercle du destin. Bardin, oui, je venais d'arriver. Une pauvre môme, elle a reçu un grand coup dans l'aile, laisse la récupérer. C'est pas merveilleux, on dirait une chanson. Non, mais vous êtes toutes tombées sur la tête. C'est pas la première fois qu'un homme fait du boniment à une souris. Faites calme, mesdemoiselles. Mais tout le monde est gay, pas. Julien Duvivier avait été acteur et metteur en scène de théâtre au début. Inutile de s'étonner alors du choix et de la justesse de ses acteurs. Des centaines d'acteurs parmi les 70 films qu'il a tournés depuis les années 20 jusqu'aux années 60. Mais Duvivier était aussi, et il est devenu sans cesse, un artisan. Un simple artisan de son savoir-faire, ajusté au mieux à l'exigence de ses drames. Alors forcément, les plus grands ont voulu tourner plein de drames avec lui. L'amour, l'argent, faut choisir dans la vie. Merci pour la vie gâchée. We must forget everything that's gone before. Remember nothing else after. Du 10 novembre au 1er décembre, cycle Julien Duvivier sur Ciné Cinéma Classique avec Au Royaume des Cieux, un drame plein de filles. Sous le ciel de Paris, un drame plein d'espoir. La belle équipe, un drame plein de loterie. David Golder, un drame plein de haine. Et Obsession, un drame de l'esprit. Il paraît que les maisons de redressement ou assimilées sont à nouveau à l'ordre du jour, en ce moment chez ceux de la France d'en haut qui commandent à la France d'en bas. En 1949, elles l'étaient déjà, ces maisons, et avec des bénéfices déjà très discutables. Vous allez en voir une, dirigée par la très cruelle Suzy Prime, c'est Henri Janson qui dialogue ce film, dont le scénario original est de l'infatigable Duvivier. Oui, le metteur en scène Duvivier, qui fut élevé chez les jésuites pour l'acuité du regard, voyez ce film, Janson l'anarchiste pour la ciselure de la prose, bien sûr. Une magnifique association pour dénoncer justement ce que le mot « redressement » veut dire. Certes, aujourd'hui, les situations montrées ici pourront paraître un peu clichés. La directrice sadique, les pensionnaires filles, toutes des révoltées, et l'immanquable histoire d'amour rendue impossible. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce sont toutes ces scènes avec les filles, ces 10 futures vedettes du cinéma français, comme dit le générique, qui ne se trompe qu'à moitié, car ce sont bel et bien les débuts d'une Colette de Réal, d'une René Cosima ou d'une Juliette Gréco, par exemple, vous allez voir. Rien que des filles dont il faut écouter le langage superbement décoiffant et décoiffé, signé Janson, autour de Suzanne Cloutier, l'héroïne du film, canadienne de naissance, qui tournera peu après chez Wells, puis chez Carnet, avant d'épouser Peter Ustinov. Mais oui. Et aussi autour du héros mâle, le film tourne. Ici, le beau Serge Reggiani. Et puis, bien au-delà des clichés, il y a le cinéma de Duvivier, la dynamique de Vivier, cet amour du travail bien fait, ce goût du détail exact et de la vérité à l'état brut, comme disait de lui son cher ami Henri Janson, dialoguiste ici. Voici Au Royaume des Cieux, de Julien Duvivier, 1949.